Vous avez vu des cerfs-volants voler, mais vous n'avez jamais vu des gens les faire voler. Maman lâchait joyeusement la corde qu'elle tenait dans sa main. Soudain, elle lâche accidentellement toutes les ficelles. George s'est envolé au loin sans se retourner. La foule des spectateurs et des journalistes le poursuit. George s'est envolé du ciel vers l'eau. Il vola de plus en plus haut, de plus en plus loin, et disparut dans les airs. Maman s'est tenue au bord du lac et a poussé un cri de désespoir. Les gens qui regardaient se sont dispersés. Il ne restait plus que trois. Maman est restée assise là du matin au soir. George n'était toujours pas revenu. Le lendemain, la famille a lancé une opération de recherche dans la rue. Ils ont accroché une photo à un poteau. Une femme âgée a vu les affiches. Elle dit au père de George, « Vous faire un de bébé volant. Vous savez, il y a toutes sortes de gens dans la nature. À partir de ce moment-là, la mère de George a été déprimée et elle n'a pas arrêté d'être triste toute la journée. Soudain, elle a entendu quelque chose dehors. Elle s'est approchée de la fenêtre. Quand elle a levé les yeux, ce n'était qu'un troupeau d'oies. Ce jour-là,